Oui, ça marche. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre séance de HIIT. Donc on va tester ensemble un format un petit peu différent. De d'habitude, c'est pas non plus, vous inquiétez pas, la folie, mais on va changer un petit peu. Donc on va commencer avec un échauffement avec 6 exercices qu'on va répéter 3 fois et au fur et à mesure des tours, on va aller de plus en plus vite, d'accord? Les 6 exercices, juste je vous les énonce comme ça, mais vous inquiétez pas, de toute façon, on les fera ensemble. On fera du footing sur place, des jumping jacks, un combo genou tap, vous allez voir, des touchdowns, des jumps et twister et un grand saut et 3 petits sauts en arrière, d'accord? Donc ça sera l'échauffement. 30 secondes par exercice et on va aller de plus en plus vite au fur et à mesure des tours. Après, on va se faire donc un HIIT où on va avoir 7 exercices qui vont à chaque fois être intercalés par un exercice cardio qui sera toujours le même, d'accord? Donc on aura des burpee gorilla, des squats et genoux, des plank jack, des hand release push-up, des ski jumps, des tuck abs et des mountain climbers, d'accord? À chaque fois que je vais faire par exemple mon burpee gorilla, je vais faire 30 secondes de burpee gorilla et après mes 30 secondes de burpee gorilla, je vais faire des half burpee pendant 30 secondes. Et puis je vais faire mes squats et genoux et je vais faire 30 secondes de half burpee, d'accord? Donc une fois que j'ai complété mes 7 exercices et avec à chaque fois donc les 7 cardio, ben, je refais un deuxième tour, mais cette fois-ci je vais changer le cardio. Donc le prochain cardio ce sera soit des montées de genoux, soit des sauts à la corde à sauter. Donc pareil, je fais mes burpee gorilla, corde à sauter, squat et genoux, corde à sauter, plank jack, corde à sauter, blablabla. Donc 7 fois, et une fois que j'ai fait ça, on fait un troisième tour, et là on reprend les exercices, et on va les intercaler par des squats and touch the floor, d'accord? Donc j'ai pris des exercices qui étaient de plus en plus... plus facile, enfin de moins en moins difficile, d'accord? On commence avec les half burpees, qui est on va dire le plus intense, montée genou qui est un petit peu moins fatigant, et squat and touch the floor qui est un peu moins fatigant, en tout cas pour moi. Et si on a encore un peu d'énergie, j'ai prévu un dernier petit bloc gainage qui sera vraiment facultatif, donc à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Et bien écoutez, voilà, on est parti, comptez à peu près 40 minutes, 40 minutes pour la séance, bon avec mon blabla ça fera 45 minutes et du coup vous allez bien transpirer. Ok, donc allez, préparez la montre, préparez-vous une serviette si vous en avez et on va se préparer, hop là, avec le warm-up, donc 30 secondes par exercice. J'ai préparé mon timer, on commence avec du footing sur place, on est parti, 3, 2, 1, go. Oui, aujourd'hui j'ai mangé un petit peu roquet. Donc premier exercice, c'est footing sur place. Bon, ça vous commencez à bien connaître maintenant. Il n'y a pas de surprise. Après, on fera des jumping jacks. Donc pareil, vous savez que les jumping jacks, moi je les fais en ciseaux. Donc n'hésitez pas à les faire comme vous voulez. Hein. C'est ça, mais en fait je me suis rendu compte que tout ce qui va être saut, déplacement latéraux, en fait ça me fait un peu mal aux genoux, mais mon petit genou de ma vie. Après ce sera le genou tap, alors genou tap, vous allez, je le sais, alors ça fait 1 2 tap, d'accord, 1 2 3. À chaque fois, vous voyez, je viens choper la cheville. Ok, après, je vous ai mis les touchdowns. On est content parce qu'on se dit que l'échauffement, il commence comme ça. Ça laisse présager de bonnes choses pour la séance. Hein. Allez. À chaque fois, vous voyez, je dégage le pied. Pour réveiller un petit peu la taille. Ouh.
J'espère que vous êtes en forme. Parce qu'on a envie d'être en forme aujourd'hui. De toute façon, on est des machines. On est des machines lignes. C'est qui les machines lignes? Et tisons-nous. Ok. Un grand saut. Et trois petits, vous vous rappelez. On saute. Trois. Oh, le premier tour, souvent pour moi, c'est on va dire, presque le plus difficile. Parce que ça réveille mon petit corps qui est encore engourdi. Plus haut.
Ok, ça je dors. Allez, on enchaîne. Alors bien sûr, moi je suis en raid de jardin, donc je peux me permettre de sauter comme une bourrine. Si vous pouvez pas, mettez un petit peu moins de puissance. Et augmentez la fréquence. Ok, comment ça va? Est-ce que vous êtes échauffé? Est-ce que vous êtes essoufflé? Si nécessaire. Donc, on va partir pour 42 tours, 42 fois 5, 30 secondes de travail, 10 secondes de récupération, d'accord? Ne vous attardez pas sur le chiffre, d'accord? Juste restez avec moi. Restez connectés, vous me suivez, vous faites du mieux que vous pouvez, et ce sera très bien, d'accord? C'est pas si long que ça, hein, d'accord? C'est pas si long que ça. Ok, donc, on a 7 exercices différents. On va commencer avec le burpee gorille, là. Alors ça, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous a encore pondu, Olivia? Burpee gorille, c'est 1, 2... Et je saute, d'accord? Donc, deux fentes sautées, un squat et un burpee. Ça, c'est le burpee gorilla. Après, je vous ai mis squat et genoux. Donc, squat et genoux. Squat et genoux. Donc, je vais venir twister mon buste et aller chercher mon genou avec le coude opposé, d'accord? Après, je vous ai mis jack plant. Ça, c'est un peu plus chaud. C'est celui-là. D'accord? Donc, jack plank. Après, je vous ai mis hand release push-ups. Hand release push-ups, c'est la pompe. On décolle les mains et on repousse. Vous vous rappelez, plus vous allez être puissante en repoussant le sol, moins ça va être difficile de remonter. Donc, c'est vraiment important de bien mettre de l'énergie en fait quand vous sautez. Après, on va faire des ski jumps. Donc, ski jump, c'est quand vous me voilà. C'est quand on saute à droite et à gauche. Vous pouvez même vous amuser à sauter au-dessus de votre tapis si vous ne prenez pas les pieds dedans. Après, je vous ai mis tuck abs. Donc, tuck abs, c'est les abdos en genoux, poitrine. Alors, ce que je vais faire, je vais décaler légèrement. Hop là. C'est bon, on ne voit pas trop le bordel. Tuck abs, vous connaissez maintenant. Idéalement en hauteur, genoux, poitrine. D'accord? Sinon, on peut le faire au sol. Après, je vous ai mis mountain climber 4-4. Ça veut dire quoi? On peut le faire rapidement, on peut le faire lent. Ça veut dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4, deux faces. 1, 2, 3 et 4. Et deux faces. 4 deux faces, 4 croisées, d'accord? Ça, on va l'intercaler par un exercice cardio. L'exercice cardio numéro 1, ça va être des half burpees. Ça veut dire, je saute en planche, je ramène et je saute. D'accord? Je viens pas poser la poitrine au sol. C'est pour ça que je vous ai mis ça en cardio numéro 1. Cardio numéro 2, ce sera des montées genoux, de la corde à sauter. Donc si vous avez la corde à sauter, préparez-la près de vous. Mettez la vidéo en pause parce qu'on va essayer d'aller très très vite au niveau des transitions, d'accord? Exercice numéro 3, c'est le squat
un catch de fleurs. Mon père, lui, vous le connaissez bien maintenant, c'est celui-là. Je squatte et je viens toucher le sol. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, comme d'hab, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par les half burpees. Et moi, je vais commencer par l'exercice de renfou numéro 1. Comme ça, ça vous laisse le temps de bien le regarder, de bien assimiler, et vous me rattrapez après, ok? Allez, on est pas dans 10 secondes. Ah, il y a les chats qui viennent allumer la lumière. Donc, on commence avec les burpees gorilla. Allez, 3, 2, 1, allez, parti. Une fente, un squat, et je me jette en burpee. Dites-vous que c'est que 30 secondes, c'est pas très long. Ok, good. Squat et twist pour vous, un burpee pour moi. Reprends dans 4 secondes. Allez, bien twister sur le côté. Essayez vraiment d'aller chercher le genou avec le coude. Si vous êtes complètement cuite, vous pouvez ne pas faire le saut, d'accord? Vous voyez? Hop, hop, sans saut. Si vous avez mal au dos, si ça fait beaucoup de séances un peu trop intenses, on enlève l'intensité en enlevant les impacts. Ouh. Le prochain, c'est le plank jack. Donc je me mets en planche. Planche, ça veut dire bras tendu pour moi. Et j'ouvre. J'écarte. Ça, ça va être vraiment chaud pour moi. Tout ce qui est planche comme ça, c'est assez difficile. Allez, il reste 7 secondes. On garde les fesses basses. Ok. À vous, half burpee. Allez, 3. Rappelez-vous, le premier tour, ce sera le plus difficile. Au fur et à mesure, l'intensité va diminuer. Accrochez-vous. Il reste 8 secondes. Seconde. Good. Allez. À vous pour les burpees. Moi j'enchaîne avec les hand release push-up. Je vais essayer de commencer sur les pointes de pied. Vous voyez, et je repousse. Et j'essaie de remonter mon corps. Nasa block. Ouh.
J'écolle ma main du sol et je repousse fort. Allez, go. Vous vous rappelez, on saute de part et d'autre, comme si on allait au ski. Voilà, cette. Je vais le faire au-dessus de mon tapis, parce que comme je suis fatiguée, ça me donne un point de repère. Sinon, je le fais en mode feignasse. Et c'est vraiment, quand vous faites ce truc, d'atterrir. Avec grâce et délicatesse, d'accord? On évite d'atterrir comme une patate. Ouh! Allez! À le burpee. 3, 2, 1. Allez! Pour rappeler, soit sur le côté, soit au-dessus du tapis, à la condition que vous ne vous preniez pas les pieds dedans. Il reste 12 secondes. Ok, très bien. Le prochain, c'est les abdos, genoux, poitrine. Vous rappelez ? Allez, on s'accroche. Excusez-moi. D'habitude, je vous l'ai dit, j'ai tout le temps le nez qui coule. Quand je fais du sport, c'est hyper relou. Oh, allez, on tient. On peut le faire au sol. Quand c'est too much, on peut très bien faire une seule jambe. Une seule jambe. Je sens quand même vachement mes abdos qui bossent là. Ok, good. Allez, accrochez-vous. Il nous reste deux exos. Et on est bon pour le premier tour. Enfin non, trois tours. Trois exos. Allez, faites-moi des beaux genoux poitrine. Rappelez-vous, les deux jambes en même temps, ou une jambe alternée. À partir du moment où vous donnez le meilleur de vous-même, le contrat, il est rempli, ok? C'est les mountain climbers. 4 de face et 4 sur le côté. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, on peut le faire rapide ou lent. Gardez les fesses basses. Ok, good. Deuxième bloc. On finit. Alberti. Et après, on attaque le deuxième bloc. Allez, mountain climber. On pousse. Rapide. Lent. Vous voyez. C'est le mieux pour vous. Essayez de jouer le jeu. Commencez rapide si vous pouvez. Ralentissez, puis repartez. Ok, good. Allez. On repart pour les burpees gorilla. Vous rappelez ? Fente, fente. Yeah.
Il reste 7 secondes. Ok, good. Allez, à vous et moi, j'enchaîne avec la corde à sauter. Si j'y arrive. Allez. Vous voyez, la corde à sauter pour moi, c'est moins fatigant que les burpees. Quand je ne me prends pas les pieds dedans. Sinon, montez de genoux. Hein. Allez, allez. Descends et je repousse.
Je garde bien les mains près du corps. Je souffle. Quand je pousse, je serre les abdos. Allez, courage. Montez-moi les genoux. Sautez à la corde si vous avez. Il me reste 10 secondes. Allez, chercher les dernières secondes. Allez, montez-moi ces genoux. Faites monter le cœur. On va brûler un max de calories. Ok. Good. Allez. Corde à sauter. Trois exercices avant d'entamer le troisième tour. Ok ? On est sur la fin. Je vais faire le plus dur de la séance. Hein. Franchement, si vous survivez à ça, la séance est terminée. Oh, je n'ai pas fait de doubler, donc ça va aller. Pas la peine. Ok. Le prochain, montez le timer. Oh, oui, montez le timer. Mes petites épaules vont être contentes. Ok, good. Ah ouais, je l'ai dit. Ah ! Allez, dernier exo pour vous. Dernier cardio pour moi du tour. Allez, bon. On y va. Oh ! Putain, décidément. Il est temps de jouer là ce soir. Hein. Allez, courage, je monte avec les mains pour vous. Rapidement. Même pour les en deux comme j'ai fait. Allez, allez. Allez, on repart pour troisième et dernier tour, ok? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, tout. Squat, un touch de fleur. Vous rappelez le squat, un touch de fleur? Vous rappelez pas, je suis sûre. En plus, j'ai oublié de vous montrer. C'est quand on fait un squat et qu'on vient toucher le sol en écartant les pieds. Ok? Allez, 3, 2, 1. C'est celui-là. Vous voyez, bien léger, où je me suis flashée les fesses avec la corde à sauter. Je sens la brûlure qui monte. Allez. Allez. 11 secondes, même pas. Faites-moi des beaux burpees. On va
va bien toucher le sol avec la poitrine. Une belle fin de sauter. Génial. Allez, le prochain, c'est le squat. Et je viens twister. Il n'est pas trop dur celui-là. On aime bien. Et puis de toute façon, que serait une séance de sport sans squat ni fente? Allez, on va bien travailler la taille. Comme là, ben là, vous voyez, c'est du mouvement complet. On est sur un mouvement polyarticulaire avec le squat. En plus, je mets une rotation pour venir engager les obliques. Donc, on les travaille vos abdos, hein, n'hésitez pas. Good. Ah ouais, c'est mon tic verbal, ça, good. Comme en fait, c'est ça cause Alex, ça. Il me dit tout le temps en fait. Du coup, je vais le choper. Avant, je disais tout le temps, allez, allez, mon micro-co. Et quand j'étais en formation, ma tutrice, elle s'est amusée à compter combien de fois je disais allez dans un cours. Et c'est un truc de fou. Peut-être une cinquantaine de fois. Ouais, j'exagère, mais j'en aurais plus, mais c'est énorme. Du coup, elle s'est bien foutue de moi. Jacks, je l'oublie. Allez, à vous, squat un tèche de floor. Sur les coudes, sur les pointes de pied ou sur les genoux. Il y a toujours une option qui vous permet de rester dans le travail. Toujours, toujours. Vous les connaissez les options. Ça fait 5 semaines pour s'entraîner ensemble. Vous connaissez les options. Allez, on reprend le normal. And release push-ups.
je puisse. Allez, demain c'est stretching. Demain c'est zen. On fait l'effort aujourd'hui. Allez. À vous de sauter. Genoux poitrine pour moi. C'est la dernière fois que vous faites chaque exercice. D'accord ? Je sais que vous pouvez, et vous le savez aussi. Allez, encore un peu plus, encore un peu plus. Ok, super. 3, 3 fois 30 secondes, et la séance est terminée, ok? Allez, bon. En japonais, je dirais Ike. Ike. Ou Iko. Si je dis Iko, ça veut dire que j'y vais avec vous. Anima, qui marche. Allez. 10 secondes. 10 secondes. Allez, ramenez-moi si je veux la poitrine. Travaillez sur vos abdos. Une jambe. Deux jambes. Les deux. On s'en fout. Et on pousse. Ok, il nous reste une minute. On préfère le numéro 2. Vous avez bien joué le jeu, vous devez avoir le cœur qui est bien monté, vous devez être pas très glamour comme moi. Ah, ça pourrait être pire. J'ai pensé à ajouter du gainage, je pense que ça va aller pour aujourd'hui. Je veux vraiment que sur les séances cardio, vous fassiez monter l'intensité, d'accord? Le but, c'est pas du renfo, le but vraiment c'est de faire monter l'intensité, c'est de garder quand même une technique propre, on est d'accord? Mais que ça vous fasse monter le cœur pour qu'on vraiment choque l'organisme et qu'on aille brûler un maximum de calories, ok? Je vais vous laisser vous étirer. Vous étirez, je vais couper la vidéo comme ça au moins, j'espère que ça n'aura pas coupé avant. Et je vous retrouve pour le stretching comme le filmer.